quand on fait rentrer des nouveaux animaux au parc, bon, on les met dans des boxes de quarantaine à l'écart, ils sont pas avec le groupe du parc. On fait passer le vétérinaire pour qu'il vérifie que tout va bien, il fait des analyses. On donne un vermifuge pour les oies, par exemple, pour enlever les parasites intestinaux. Et puis après, au bout d'un mois à peu près, normalement une quarantaine, c'est 40 jours, on les relâche dans les enclos avec nos animaux. Donc là, c'est une oie qui vient d'arriver au parc des Cities. Hein, donc pour tout animal qui rentre, on a certains protocoles. Donc déjà une mise en quarantaine, hein, vous avez vu, elle est isolée des autres. Et aussi, on lui fait un vermifuge, hein, pour tuer tous les parasites digestifs qu'elle pourrait avoir et l'affaiblir. Bah, souvent, ça va tuer tous les parasites qu'elle porte en elle, mais on n'a pas forcément une longue rémanence. Hein, donc c'est pourquoi dans quelques semaines, on fera un examen des fientes pour voir s'il n'y a pas d'autres parasites. Et s'il n'y a rien, eh bien on la vermifuge pas. Par contre, si on voit qu'elle est à nouveau infestée, on fera un vermifuge. Parce qu'on va passer juste au nourrissage porc épic là, juste un instant. Je sais pas si tu me suis. Habituellement. Pardon. Habituellement, on met la gamelle à proximité du public, mais là, comme le soleil cogne aujourd'hui, on va mettre les fruits et légumes à l'abri du soleil. Donc là, on a préparé la découpe, hein, au préalable. C'est essentiellement fruits et légumes. On peut passer de la carotte à la pomme, par la poire, la banane, le chou, kiwi, un peu de tout. Voilà. Banane, il saute dessus. Bon là, avec le soleil, avec la luminosité qu'il fait là cet après-midi, je doute qu'il sorte tout de suite. Sauf s'ils ont faim. On passe par du melon aussi, comme vous pouvez le voir, de la pastèque, des tomates, quelque chose de pas trop mal, une bonne salade de fruits. Les porcs épics, on a un mâle et une femelle, c'est pas un couple parce que le mâle est stérilisé, il vient, le mâle il est chez nous depuis très longtemps, la femelle elle vient du zoo de Maubeuge. Les porcs épics, c'est des animaux qui sont pas forcément agressifs, c'est plutôt du défensif. Donc c'est impressionnant et c'est plutôt pour montrer qu'ils sont méchants, mais ça attaque si vraiment ils ont besoin. Ça lance pas ses pics, ça recule en marche arrière, ça charge, ça plante ses pics. Et après, quand ça recule, par contre, les pics restent dans les jambes ou dans les palettes. Il faut se méfier des pics, effectivement. Par contre, ça a aussi de très bonnes dents, donc ça mord très bien. Il faut se méfier des deux côtés. C'est des animaux qui vivent en groupe, mais plutôt des groupes familiaux. Donc c'est des groupes qui sont déjà créés. Dans la nature, ça mange beaucoup de fruits, de l'écorce, c'est herbivore en fait, donc le même régime alimentaire que ce que nous on donne au parc. Le porc épic, c'est un animal qui est nocturne, donc il va vivre essentiellement la nuit. Là, ils sortent en journée parce qu'on les nourrit en journée, mais aussitôt ils ont fini de manger un peu, ils retournent dormir et puis ils nous retournent sur tout le terrain la nuit. Pas de souci. Ah non, allez. Un effort. Les perruches, on met des branches une fois par semaine, en général le lundi, on change. On va couper un arbre, là c'est du saule, on les met dans les volières pour que les perruches puissent jouer avec les feuilles. Ça les mange pas, mais ça joue avec, ça va décortiquer les branches, ça suce un peu la sève, mais c'est pas énorme. Par contre, elles vont tailler les petites branches en petits morceaux pour pouvoir faire des nids avec. On a différents types de perruches dans cette volière. La plupart viennent d'Amérique du Sud. On en a quelques australiennes aussi. On a de la perruche ondulée, de la perruche à collier, cognure veuve, cognure de Patagonie. Enfin, on a vraiment plein d'espèces différentes qui sont très bruyantes. Alors par rapport à un perroquet, c'est la même famille, après c'est des espèces différentes bien sûr, même au sein des différentes perruches, il y a plusieurs espèces qui existent. Donc, c'est à peu près le même mode de vie entre la perruche et le perroquet, c'est une différence de taille essentiellement. Ouais.
Dans la plupart des cas, les perruches, ça vit en groupe, mais ça vit en dortoir et du coup, les couples sont constitués en général. La plupart des perruches sont granivores, donc elles vont récupérer des graines au sol ou dans les arbres, dans la nature. Elles sont granivores, elles sont frugivores aussi, elles vont manger des fruits, voilà, tout ce qu'elles peuvent trouver un peu dans la nature à base de végétaux. On a 3 volières à perruches. On a une volière avec essentiellement des perruches à collier, celle du milieu avec essentiellement des perruches ondulées, et dans la dernière, il y a plusieurs couples différents.